Correction des exercices, page 106. Exercice 2. Les prix pratiqués par ce cinéma sont-ils proportionnels au nombre de séances? Donc, le cours me rappelle que deux grandeurs sont proportionnelles lorsque l'on obtient les valeurs de l'une en multipliant les valeurs de l'autre, toujours par un même nombre. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ici, les deux grandeurs, c'est le nombre de séances sur la première ligne et le prix à payer en euros sur la deuxième ligne. Peut-on passer de ces deux grandeurs, peut-on passer de la première grandeur à la deuxième grandeur en multipliant toujours par un même nombre? Donc le même nombre ici est facile à voir, ça serait 8, puisque pour passer de 1 à 8, j'ai multiplié par 8 dans la première colonne. Si les tarifs sont proportionnels, on doit pouvoir multiplier par 8 à chaque fois la première ligne et trouver le prix à payer. Donc 4 fois 8, 32. Jusque-là, pas de souci, ça marche. Maintenant, il faut vérifier que 14 fois 8 donne bien 112. Donc on peut vérifier à la calculatrice ou de tête. Alors on peut vérifier à la calculatrice 14 fois 8. 14 fois 8, 112. Et évidemment, 1 fois 8 égale 8. Donc les prix sont ici proportionnels. Il n'y a pas de réduction. Chaque séance va vous coûter 8 euros.